www.casarima.fr. Pourquoi beaucoup de choses ne marchent pas? Parce que les gens s'accaparent des choses qu'ils ne connaissent pas. Quand quelqu'un ne connaît pas et qu'il veut faire, la conséquence c'est quoi? Il y aura sabotage. Même si quelqu'un a souffert avec toi, mais il n'est pas question de garder des dettes morales pour le placer quelque part là où il va saboter. On obéit qu'à celui qui sait et on cède la place à celui qui connaît. Ne fuyez pas le prix à payer. Il est préférable que vous souffrez aujourd'hui pour rire demain que d'attendre de rire aujourd'hui et souffrir demain. Soyez de la génération des gens. Vous avez aimé votre fiancé, épousez-la. Vous avez aimé votre travail, allez avec. Vous avez commencé à construire une maison, finissez la maison. Que l'onction de la définition vous accompagne. Tout ce que tu veux faire, apprends à voir comment les meilleurs le font. Parce que ce que tu veux faire là, tu n'es pas la première personne à le faire sur la terre. Il y a des gens qui l'ont déjà fait avant toi. Pour voir plus de vidéos chrétiennes en exclusivité, tapez www.casarima.fr. Merci, merci, merci. Oh, gloire à Dieu pour ce merveilleux temps. Aujourd'hui, je viens pour apporter un enseignement. Et cet enseignement que nous allons apporter aujourd'hui va tourner autour d'un sujet très important qui ne va pas simplement concerner l'Église, mais qui va aussi vous favoriser en tant qu'hommes et femmes d'affaires, en tant que responsable d'administration, en tant que pasteur, en tant que... En fait, c'est un message que j'apporte qui concerne les organisations. Et le thème de mon message aujourd'hui, c'est les 7 choses qui font la réussite des organisations. Alors, je ne saurais donner ce message sans commencer par prier. Prions. Père Saint, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te recommande ce temps d'enseignement. Merci pour ceux qui ont des stylos en main. Seigneur, pour ceux qui ont des agendas, des feuilles. Seigneur, pour noter des choses cruciales concernant leur développement, concernant leur succès et leur réussite. Seigneur, merci pour l'onction que tu répands sur nous afin d'apporter cet enseignement. Merci d'éclairer l'esprit de tous ceux ou de toutes celles qui sont en ce moment en train de nous suivre. Je les bénis et je bénis leur vie.